Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons apprendre crocheter. Comme vous voyez, il y a différents types de crochettes, car chaque fois, selon le fil que nous allons utiliser, il faut adapter, utiliser les crochettes. Juste. Aujourd'hui, je vais utiliser un crochet de crochet. Alors, il y a deux façons pour commencer à crocheter. Le premier, c'est de faire la chaîne de base avec le mailles en l'air. Je positionne comme ça le fil. Et les crochets comme ça. Je tourne les crochets et je ferme avec les doigts le fil. Après, je prends le fil derrière, je le passe ici. Et voilà. C'est fait. La première maille que normalement nous n'utilisons pas. Quand nous allons compter les mailles, normalement cette maille c'est pas comptée. Et puis je prends le fil comme ça. Et je les passe dans les boucles. Je prends le fil comme ça et je les passe ici. Je prends le fil et je les passe ici. Et comme vous pouvez voir, nous sommes... nous avons... notre chaîne de base. Le numéro de mailles, ça dépend de l'ouvrage. Voilà. Cette façon, c'est la première. Quand nous allons compter, comme j'ai déjà dit, nous commençons par ici. C'est ça, c'est notre premier maille. Et nous allons compter 1, 2, 3, 4. C'est ça, c'est pas compter parce que c'est pas fini. Si j'ai maintenant je le travail, voilà, je peux compter et nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la première façon. Le deuxième, c'est normalement utilisé pour travailler en ronde. Je prends les fils comme ça et je les tourne à tour les doigts. Après, je passe les crochets ici et je prends le troisième, comme vous pouvez voir, j'ai trois fils ici. Je passe ici, dessous, dessous, dessous. Et je prends le troisième fil. Je le passe
ici. Voilà. Le troisième. Voilà, c'est fait. Et après, je jette et je passe ici. Je jette et je passe ici. Aujourd'hui, nous avons travaillé. À la prochaine, merci.